mon après-midi. Bon, ce que vous voulez. Je me présente quand même, Raoul. Raoul, les gens qui ne savent pas, c'est le nom le plus parlé au monde. C'est le nom le plus parlé au monde, c'est vrai. Par exemple, quand vous venez de n'importe quelle soirée dans le monde entier, vous allez voir beaucoup de gens, le trottoir, sans le faire. Cette blague géniale. Je me présente, je suis Raoul. Bon, je me présente parce que je sais que peut-être ma vie elle va changer après cette vidéo. On sait jamais. Donc, je m'appelle Raoul. Je suis brésilien. Non monsieur, je ne suis pas un travesti. Non madame, je ne me suis pas fait opérer du tout. J'aime pas le foot. Ma mère et mon père devant la télé. C'est vrai, monsieur, dame. Tout ça, c'est donc son cliché que les gens, ils inventent pour dessiner mieux les gens ne connaissent pas très bien. Oula, vous voyez une fesse devant mon visage, c'est ça le carnaval. J'ai touché des sujets délicats. C'est délicat. Bon, ex-copine, je me suis présenté. Bonjour, je m'appelle Raoul, je suis brésilien. Tout de suite. Brésil. C'est chaud alors. Je sais pas tout ce qu'elle voulait dire avec ça. Oui, je sais. Tout le monde le sait. La chaleur. Mais la chaleur n'a duré pas longtemps avec cette fille. Pourquoi? Parce que vous, les filles, vous avez tous pareil. Ouh, j'ai touché des sujets délicats. Mais les filles, je suis désolé, vous pouvez hurler, vous pouvez crier, vous pouvez vous mettre à poil. Calme-toi, c'est juste un blague. Mais c'est vrai. Je voulais juste comprendre une chose. Pourquoi? Si on vous dit je t'aime avant du bon moment, du moment précis, c'est comme si la relation, elle a fini là, à ce moment. C'est comme si nous, on avait signé contrat de la mort. Les filles, oui. Et le pauvre, en plus, rajoute. Donc les mecs, là maintenant, voilà, c'est demandé. Ok. Quel est donc le bon moment pour dire je t'aime? Et je vous dirai maintenant le secret, les gars. Le secret maintenant pour vous, il n'a pas de bon moment. Si c'est au début de relation, tout marche très bien. Tu dis waouh, cette fille elle est géniale, j'ai jamais vu. Elle est géniale. Arrête ta connerie, c'est parce que le tchac-tchac boule-boule au début de relation, c'est fantastique. Hein? Tout le monde le sait. Et là, tu dis, moi, je vais lui dire. Je t'aime. Bah mauvais, t'es mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va dire. Déjà, j'ai presque rien fait. Il m'aime déjà. Trop facile. Tu vas venir comme un petit chien. Si c'est au milieu des relations, c'est un petit moment où vous êtes ensemble et tout, tu dis, elle mérite, celle-là, elle mérite. Ah, tu lui dis, j'y t'aime. Bah, c'est mort, mec, mauvais. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, comment ça? De rien, il m'aime? De rien. Et là, elle va te donner le tchac tchac boulou, mais pas comme toi, tu auras envie. Seulement qu'on elle voudra. Par contre, si vous êtes marié, est-ce qu'on a des mariés là? Bonne chance. Si vous êtes marié, il vous décide de dire. Ça fait longtemps que je suis avec elle. Il faut lui dire, j'ai elle. En fait, la tête qu'elle fera, ça fait un petit moment où je suis en France. Et en fait, elle fera la tête de français. Vous savez qu'est-ce que c'est la tête de français? La tête de français. Je me permets. En fait, les Français, tous les Français, ils font une tête quand ils sont pas trop d'accord avec quelque chose, mais ils disent pas, en fait, ils regardent. Voilà, c'est la façon française de faire. Voilà, ils sont comme ça. Donc le mec, il va dire, je t'aime. Et la fille va faire la tête française. C'est parti. Je t'aime. Peut-être qu'elle va répondre comme ça. Je t'aime. Moi aussi,
et elle va partir. Mais en partant, elle va commencer à penser. Une femme mariée, qu'elle pense. C'est à peu près comme ça. C'est qu'on doit être en train de me tromper avec ma soeur. Ce n'est pas possible. Il y avait quelque chose. Et là ! Pendant que vous êtes au salon, en train de regarder la télé, elle revient pour remercier ce que vous venez de lui parler, monsieur. Georges, j'ai pas le divorce. Et la moitié de tout ce qui t'a, espèce de gros con. Eh oui, c'est ça les filles, c'est ça les filles. Désolé les filles, mais les filles elles se divisent en deux groupes. 50%, elles sont chiantes. Est-ce qu'il y a des filles chiantes là maintenant? Faites comme ça avec le bras. Si vous assumez que vous êtes chiante, faites comme ça avec... 50% elles sont chiantes. Comme ça. Les autres 50%, elles sont... trop chiantes. Voilà, je m'appelle Raoul. J'ai fini pour ici aujourd'hui. Parce que sinon je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir me frapper. Je m'en vais.